encore bonjour et bonsoir à tout le monde qui est branché sur Radio Transfiguration dans le cadre d'émission rubrique des fins du jour présentée par Frenon, par serviteur nos cœurs du Fils en grand pour Radio Transfiguration. Jeudi, c'est 22 mai et l'Église a célébré Sainte Rita de Cassia. Jeudi, c'est 22 mai, et l'Église a fêté Sainte Rita Marguerita da Cassia, veuve et moniale. Mais dans la même date, ça, mais qui est l'autre monde qui est saint, qui est vénérable, qui est bienheureux, qui a célébré dans la date 22 mai. Nous gagnons Saint-Émile, nous gagnons Saint-Égulpe, Saint-Aton, Saint-Ausson, Saint-Basilique, évêque et martyr 4e siècle, Saint-Beuvon de Vaugirard, Saint-Boétien et Albe. Bienheureuse humilité de Faenza, Saint Jean, bienheureux Jean Forest, Saint Jean Vladimir, vénérable Ose Pio Guruchaga Castuariense, Saint Julie, Saint Laurent Engon, Saint Loup, bienheureuse Marie Dominique Brun Barbantini, bienheureux Mathieu Darima, Saint Michel d'Odenhaï, Saint Paul du Péloponnèse, bienheureux Pierre de l'Assomption et Jean-Baptiste Machaldo, Saint Quitéry, Saint Romain Lepreux, Saint Spes, vénérable Théodora Campostrini. C'est mon saillot, l'Église a célébré la date 22 mai. Mais je dis, dans la rubrique des saints du jour, nous pouvons le découvrir, et d'après calendrier liturgique, l'histoire de Sainte Rita. Rita, que y aurait les Margarita, li fête nan date 22 mai 1381 et non li c'est Marguerita, yo bayti non gâté Rita, en français nous dit Marguerite, li rele Marguerita Lotti, c'est petite unique de Antonio Lotti et d'Amata Ferri. Les fêtes à Rocaponera, dans une zone à Mouyoure, les Cassia, c'est pour ça, les pralgenons, cette Rita de Cassia, dans une zone ombri, dans l'Italie. Rita, que nous avons célébré, mémoire, le bonheur aujourd'hui, par un lit, c'était paysan qui gagne moyen, mais qui se confère élevage, dans nos relais apiculture, c'est-à-dire que miel, vend miel, et en même temps tout, il fait agriculture, yo, dans le jardin que yo gagne. Et non, Rita, diminutif Margarita, qui signifie perle précieuse. Joubat, Rita, faut nous dire que Rita, c'est un petit monde que parents fait dans la vieillesse. Lio. Parce que yo pas capable de faire un petit monde. Mais maman, qui était chrétienne, était toujours à la prière. Et bon Dieu, t'es fait promesse que la fête cadeau un petit monde quand même. Et c'est comme ça, Rita prend le fait une date 22 mai 1381. Dans la fin 14e siècle, dans la fin Moyen-Âge, nous dit
fin Moyen Âge, fin 14e siècle, parce que les points importants pris devant pour nous capables comprendre position Saint Rita en dans l'Église là dans contexte social, politique, culturel et religieux. Mais en nous tournant dans la naissance Rita, qui était une naissance miraculeuse qui fait dans la vieillesse, et je baptême, alors que les fins baptisées étaient petites dans la chita, dans la corbeille, toute une équipe miel pour envelopper petite, et bouche qui était tout l'ouvrir, ils ont pris la miel dans la bouche petite. Sans que yo pa fèl aucun mal, li pa gen aucun côté nan kol ki pike. Depuis leur sa, moun ki tap suiv observateur, te deja di ke si petit fè sa, se yon ti moun ke bon Dieu fè an pril grâce. Cependant, malgré se yon seul petit ke yo genyen, paran yo pa te gâté li, yo te éduqué, yo ben yon éducation ferme, côté que yo te apprenn li, sa yo rele la vertu, yo formule à la vertu, yo formule tout à l'obéissance. Et cette Rita que n'a célébré mémoire, je ne vous dis, c'est un monde qui patience en pile. Cependant, paran li, les parents qui d'un côté que yo yé a yo te fait promesse à une autre famille pour marier Sainte Rita, alors que Sainte Rita lui-même depuis qu'il était jeune il était voulu consacrer ville à la vie religieuse, mais par obéissance à parents il pral obligé marier avec Paul Ferdinand, que Bertino Gatti Ferdinando, qui c'est un des qui violent en pile. Un des qui violent et qui même maltraite moun. Un moun qui pas montré que li gen éducation par rapport à éducation que cette Rita te gagne. Cependant, Paul Ferdinand, Marie, Sainte Rita, Rita, Margarita Lotti, que nous avons célébré fête li journée aujourd'hui, Paul, c'est un acte violent en pile. Et violence à Paul, côté que Sainte Rita prend fête dans un contexte, côté que situation, le monde a changé parce que pouvoir féodal qui te gagné dans tout Moyen Âge commençait à disparaître. Pouvoir des seigneurs commençait à disparaître et pouvoir l'église commençait à disparaître. En ce sens, rôle que l'église te conjoué comme condition sine qua non, c'est lui-même qui était censé responsable toute bagaille, c'est lui-même que tout le monde était passé par lui-même. L'église commençait à perdre du rôle ça. Et donc, dans le Moyen Âge, ça a gagné une mutation sociale, une mutation économique qui pourrait créer une série de villes, et une mutation sociale qui pourrait faire que des mondes qui ne respectent pas le Seigneur encore, et une mutation religieuse, côté que l'Église lui-même pourrait perdre le pouvoir que lui a gagné, et cette crise pourrait le faire dans le moment côté que gagné la guerre de 100 qui t'a fait, et cette Rita lui-même qui fait en Italie à Ombri, lui pral fait dans le moment 40 ans, il y aurait le grand schisme d'Occident. Le grand schisme d'Occident, il y aurait le grand schisme latin. Et dans le moment où cette Rita t'a vivre dans toute l'époque, ça, tu as gagné une guerre qui pral opposer deux clans. Clan qui gagne Guelph et clan qui gagne Gibelin. Et l'église là pral séparer entre papauté,
pape qui sortit à Rome et pape qui sortit dans la zone Allemagne. Et c'est dans la même époque ça, nous parlons de nous gagner les antipapes, si là qui pral demeurer à Avignon et pape qui pral rester à Rome. Et c'est dans la même époque ça tout, côté que un proyo pral commencer réclamer pouvoir que yo gagné puis yo prend une série de indépendance par rapport à l'église et l'église qui pas voulait perdre autorité que li t'ai gagné, c'est tout contexte social, économique, politique, religieux, ça y est, qui te gagné dans le moment que cette rita t'est faite. Et c'est ça qui fait que cette rita pral trouver en face à yon mari, Paul Ferdinand, Ferdinando, qui est violent et qui fait partie d'une série de clans, clans qui divisent les Guelfes et les Ghibellins. Et clan ça yo, c'est dans origine depuis longtemps yo chaque a soutenu yon groupe de pape parce que c'est yo même à cause de influence qui te kon mette pape. Donc à comprendre vraiment avec ce yo dans quelle situation cette Rita li même li trouvé. Et cette Rita en tant que yon épouse nous retrouver toutes les qualités d'une bonne épouse dans cette Rita. Li pral gagner de ti moun ki te jumeau ke yo ye nan mariage sa. Même moun ki te vive, ki te voisinage, couple Rita, Margarita et Ferdinand, yo di que c'était une atmosphère violent. Côté monsieur sa, li parle fort en pile. C'est un véritable tyran. Et c'est un moun ki gon esprit de méchanceté la kaili. Li fait que en deux foyer cette Rita hier, voyez ça, c'est un enfer que l'idée. Cependant, nous retrouver en cette Rita la douceur. Nous retrouver en cette Rita l'obéissance. Nous retrouver en cette Rita, c'est là qui dans le silence à la prière, vraiment avec ce mieux. Et c'est à force que les prières, les pralivés convertis après 18 ans de mariage, yon mari qui était violent, yon mari qui était méchant, les pral fait Marissa vindou, et Marissa, les pral mande le pardon. Et Marissa pral converti, c'est son relais la vraie conversion. Cependant, à partir de conversion ça, Ferdinand, Fernandino, li pral cesse marcher avec zam soule. Et comme li te fait un pile d'ennemi, li te fait partie de gang, li te nan clan, nous ka comprendre, j'en ai jodia, un pile côté nan pays, un pile côté dans le monde, côté que chaque quartier est divisé en gang, est divisé en clan, et chef gang sa yo, yo marié avec des femmes qui chrétiennes, qui vertueuses, qui soumises. Nous qu'à comprendre comment cette Rita est capable d'aider nous changer mari sa yo, changer chef gang sa yo, retirer méchanceté qui nan yo. Et cette Rita li pral arriver changer mari sa. Cependant, li te fait un pile l'ennemi. Et un jour que li sorti, l'ennemi yo qui connaît que li pa gen zam, yo pral tuer lâchement parce que li pa gen zam. Et cette Rita ça pral fait le mal en pile pour le voir que c'est au moment que li joine Maril qui vient doux, qui vient aimant, qui vient gain compassion et c'est leur ça que li perd du Maril. Et ti moun li yo pral animer d'un sentiment de vengeance pour capable venger pour papa yo qui mouri, pour capable algoumer avec l'autre clan. Et pendant toute ville, cette Rita pral la prière, li pral mande bon Dieu pour capable convertir ce monde sa yo, pour capable changer, pour retirer l'esprit de vengeance nan yo. Et dans la prière que li fait, il dit Seigneur, plutôt les prendre que de les laisser devenir criminels, plutôt qu'on prend yo tant que yo pas ben criminel pour faire crime. En effet, yo maladie pour le passé, maladie la peste. Et tous les deux, Timoun sa yo, pral tomber malade avec maladie ça. Et yo pral mourir avec quelques heures qui séparent yo, mais pas avant que yo mande bon Dieu pardon, et yo mande maman yo pardon. Et pour ma bête, yo,
Mais comment n'a célébré Sainte Rita, que nous considérons comme sainte des causes désespérées, Sainte Rita, patronne des causes impossibles? Oui, frère Mabek Semio, devenue veuve à l'âge de presque 40 ans, Sainte Rita pourra demander pour être capable de rentrer dans la communauté des Augustines, pour être capable de faire le moine. Mais cependant, ils refusaient, ils ne pas voulaient recevoir. Ils ne pas voulaient recevoir pour deux raisons. Première raison, non, parce que ils ne pas recevoir les gens qui veulent. Deuxième raison, parce que ils demandaient pour être capable de réconcilier avec les gens qui t'ont tué Maril et qui ont un sentiment qui est réellement fort, sans nous dire dans le Notre Père, te pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a des bagages qui sont plus difficiles pour nous capables de faire dans la vie. Nous. Et c'est très tard. Les parlements des bon Dieu, faut ça. Et c'est très tard. Ils prennent la prière comme c'est ça que les connaissent. Ils la prière. Et l'histoire racontez-nous que cette Rita toujours après la prière Saint-Jean-Baptiste, après la prière Saint-Augustin, après la prière Saint-Nicolas de Tolentino, et un beau jour, alors que tu refusé de rentrer dans la communauté, dans le monastère, il y a un rêve, il y a Saint-Jean-Baptiste, il y a Saint-Augustin, il y a Saint-Nicolas de Tolentino, qui dit, suive-le, et cette Rita, comme dans un rêve, la suive trois saints saillants. Et dans le même rêve, non, il voit que la marche dans une rue sombre, une rue déserte, et il voit que l'arrivé dans le couvent, et dans le couvent, porte dans l'ouvrir, et qui côté l'arrivé, l'arrivé en dans l'église qui est en dans le couvent, dans la chapelle qui est en dans le couvent, et c'est là que l'y retrouve. Et le religieux est levé, le matin, il voit cette Rita en dans l'église là. Il est déjà là, frère avec Samio. C'est Saint Jean-Baptiste, c'est Saint Augustin, c'est Saint Nicolas qui prend cette Rita Calmenel dans le monastère et religieux obligé à accepter. Et puis capable de vérifier que cette Rita a gagné la foi. Et puis capable de vérifier qu'elle a une vocation, que c'est vrai, que c'est bon Dieu, c'est plein bon Dieu. Je prends le bal, fait travail qui est plus difficile. Yo. T'es gagné une plante qui est déjà mourue, plante qui est déjà mourue dans la rentrée monastère. C'est travail ça que yo bay fait pour être capable d'arroser la plante ça. Et c'est Rita, dans l'obéissance totale, li pral fait ça. Et bon Dieu, pral fait miracle, li pral fait que toute plante yo qui était mourue, toute plante ça yo pral tourner à la vie. Oui, femme avec Samio. À partir de l'heure ça, cette Rita vient faire partie intégrante de la communauté. Ça. En dans le monastère, ça, les prêtres mènent une vie en harmonie avec Jésus. Les prêtres vivent la passion du Christ. Et les prêtres découvrent la parole. Jésus te dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est comme ça. Cette Rita, il parle de toute ville pour Jésus. Et dans la ville pour Jésus, il parle vivre les stigmates de Jésus-Christ dans le fond, dans la fontaine, côté que il parle de gagner un trou qui paraît dans la fontaine. Et le but de ça, frère, avec Samuel, épine ça, qui te frappé, épine crucifix Jésus, qui plantait dans la fontaine cette Rita. Ça parlerait de yon bagay célèbre, frère, avec ce mio. Plais ça, li parlerait de tout l'ouvri, tout grand. Plais ça, li parlerait de genye là. Li parlerait de la Sainte Rita. Pendant toute ville, sauf dans le moment, côté que li parlait dans le pèlerinage. Et tout le monde parlait visiter Sainte Rita, côté lié, parce que cette Rita, il peut faire un peu de merveille. Cette Rita, que nous avons célébré, mémoire, je ne vous dis pas, nous avons célébré un modèle. Un modèle d'une épouse obéissante.
d'une mère soucieuse et d'une moniale qui gagne dans lui-même l'amour, la patience, le silence, la soumission, l'humilité, la simplicité, la vertu, la foi, la prière qui fait un seul ensemble avec lui-même et la passion pour l'amour de Jésus-Christ. Saint Rita, que nous avons célébré mémoire, que nous avons dit, il mourir dans la date, dans mois mai 1461. Il peut passer plus de 40 ans comme monial. Il peut le béatifier dans l'année 1628. Et c'est pape Boniface Alexandre qui prend le béatifier. Oui, frère, avec Samuel. Saint Rita, que nous avons célébré mémoire, que nous dit, c'est un gros modèle pour nous-mêmes. C'est un gros exemple pour l'Église là. Un gros exemple pour maman yo. Un gros exemple pour nous-mêmes qui le n'a plaidé en cause pour nous capables confier nous à cette Rita. Parce que cette Rita, c'est la patronne des causes impossibles. Cette Rita fait que un pile monde écrit sur lui-même. Parce que après que les filles mourir, pile miracle fait pour un pile monde. Un pile monde écrit pour cette Rita. Un pile monde écrit un pile livre. Il prend le canoniser le saint dans la date 24 mai. Et c'est pape Léon XIII qui prend le canoniser le saint dans la date 24 mai 1900. N'a dit cette Rita, t'en prie. La prière pour toute cause impossible. La prière pour toute mère qui est victime de violence, qui est victime de incompréhension. La prière pour toute maman qui a petit monde, qui a esprit bataille, esprit gourmet, esprit vengeance. La prière pour tout monde qui trouve une situation de désespéré, une situation impossible. D'après Sainte Rita, la prière pour nous, la prière ensemble avec nous-mêmes. C'était ça notre petit vous-même dans la rubrique des saints du jour, présenté par Frénon, par Serviteur Nocturne, fils encore pour Radio Transfiguration. Si nous avons des questions, nous sommes capables d'écrire-nous, visitez la page website qui est www.radiotransfiguration.com ou capable d'écrire-nous par email qui est radiotransfiguration@gmail.com, radiotransfiguration@gmail.com. Avec moi, ça, moi, quittez-nous. Moi, je souhaite une passe une bonne journée. Restez dans la paix et dans l'amour, mon Dieu. Bye.